Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Spirou 2. Donc on s'était laissé devant les temples des nuages, on est parti. Tac, on fait un petit tour de soi-même. J'étais autrefois l'un des meilleurs magiciens d'Avalar, jusqu'à ce que ce grand sorcier-là me vole la baguette. Lui et ses amis en ont utilisé la magie pour s'emparer de la ville. Donc faut te retrouver ta baguette, tout simplement. Oh, oh, il me suit. N'importe quoi. Ok, merci. Donc en fait, à chaque fois, il va falloir te... Oh, mais non! J'étais en train de regarder le décor. Ah, je commence bien, tiens. Bon. On regarde pas le décor, on refait pas la même erreur. Hop. C'est bon, ok. En voilà un, en voilà un. Ah, il va y avoir des balles. Pas pour ceux qui sont en pierre par hasard. Mince, j'étais devant le vase, j'ai pas vu. Ça sert à quoi les boules? On va viser les lanternes, on sait jamais. Apparemment non. Non. Je vérifie quand même, je préfère. On vient d'où nous? Du coup, par là, il n'y a plus rien. Par là, il n'y a plus rien. Là, on peut monter. Et les diamants en hauteur. Je pense que j'ai dû oublier des choses, moi. Ah,
Excusez-moi, il fallait que je calme mes chats. Bon. Est-ce que j'ai oublié des choses en arrière? Ça me perturbe. Donc là, non. Là, par là. Par là. C'est pour monter. Du coup, par là, c'était là où j'arrivais. C'est ça. Ah bah donc non, j'avais rien oublié. Autant pour moi, j'ai préféré vérifier. Ça prend 2 secondes. Là, on peut rien faire. On peut rien faire. Donc on y va. Dessus, ils arrivent quand même à me tirer dessus. Là, il n'y a rien. Dessus toi. Merci de m'ouvrir la porte. Alors là, des choses aussi. Un peu partout avant. Je suis un agent secret. Je me rends à mon repère. Seuls les membres de mon club sont autorisés à y aller. Je ne pars pas si tu ne te caches pas derrière cet arbre pour ne rien voir. Cache-toi derrière l'arbre, je suis un agent zéro. Je suis trop rapide pour être suivi. Personne ne trouvera jamais mon repère. Ah d'accord, fallait te suivre. Olé. Donc j'ai fait le tour. Ah non, c'est vrai. Ah d'accord, je viens de voir un truc. Fallait le voir. Cache derrière le... Hey, cette fois... Derrière l'arbre. L'arbre là. Hey, ah, parce cette qu'en fois, plus, faut pas... Je ne veux pas te voir te faufiler derrière. Ok. Cette fois, je ne veux pas te voir te... Oh, tu te fous de moi, là.
Ah, il est parti où? Quoi? Tu as réussi à venir jusqu'ici sans me suivre? Tu dois être un membre de mon club secret après tout. Tiens, prends ce décodeur secret. Il nous permettra de nous envoyer des messages. Ok. Donc ça s'appelle repère d'agent zéro. C'est clair que c'est un agent zéro. Du coup, je vais récupérer ce que j'ai pas pris sur la route. Il y en a un qui s'excite là-haut. Là, on a tout pris. Nos clochers ont été envahis par les trolls. On a besoin de ton aide. Mais tu ne les vaincras pas sans activer ce bonus. Ok. 21. Spiro, tu as libéré notre ville des griffes de ces sorciers maléfiques. Prends cet orbe. Je pense qu'il t'aidera dans ton voyage. Retour à la maison. Repère d'agent zéro, donc c'est briser les portes, ok. Les trolls se sont emparés de nos clochers mystiques, et les cloches n'ont plus sonné depuis des jours. J'ai tenté un sort de feu contre les trolls, mais ça n'a fait que les enrager. Ce bonus super gel va glacer les trolls, mais il faut vraiment que les cloches sonnent. Elles sonneront si tu fonces droit sur elles. Tu fonces droit sur elles. On va savoir où sont tes cloches.
D'abord que je les repère. Où ces cloches? Ah, c'est ça. Faut détruire. Il fallait que je le mette. Je le fasse tomber, lui. Mince. J'arrive pas à faire le... Peut-être que j'y pousse. Deuxième. Mince. On ne peut pas monter. Mince. Non, d'ici ça va faire trop haut. Ah, attends. Ah mince. Ah non, c'est bon. En
enlevé une. D'accord. Et les autres, tu les trouvais où? Il y en a une ici. Qu'est-ce que tu me fais? Voilà. Donc la 2. Je suppose que tu veux un ordre en récompense. Eh bien, pas encore. Il reste encore une cloche. Tu peux y accéder via le tourbillon derrière moi. Récupérer les diamants pour le moment. Mais non. Voilà, quand même. Merci Spiro, je ne pensais pas que tu y arriverais. Tiens, voici un souvenir de la boutique du Temple des Nuages. Merci, merci. Alors, sonner les cloches. Ok, maintenant il faut que je retrouve les derniers. Les dernières pièces. Donc là j'ai fait le tour. Je vais vérifier que j'ai tout pris quand même.
déjà. Non, là-bas. Comment l'avoir? Ah non, c'est un mouton, mince. Oui, ça y est, je l'ai vu. D'accord. Ah. On va pouvoir y aller, sérieux? Elle est là. Bon, j'ai plus qu'à redescendre, j'ai plus à ratisser. En volant, il n'y a pas d'entrée. Et je me suis raté. Oui. Donc normalement, celle-là. Maintenant, il faut que j'attende. Comme quoi, des fois, des petites pauses cerveau, ça fait du bien. On s'énerve. Je crois que c'est les seuls qui me manquent. Niveau terminé. Voilà. Donc, on retourne au carnet. 2, 4, il m'en reste un à faire. On a Toundra hivernale voyager. Alors, ça, tout ça, on a fait. Hop. Ah oui, on était de l'autre côté, pardon. Normalement, il n'y en avait qu'un seul, je crois. On se précipite, on se précipite. Au temple des nuages, on l'a fait. Tac 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 tac. Il nous reste plus que à aller en haut des marches, donc. Donc ici on retourne à Plaine d'Automne, donc c'est les niveaux, le deuxième niveau je crois. Bon Spiro, maintenant que tu as les orbes, la fin de Ripto ne va plus tarder, pas vrai? Pas vrai? Bon, en tout cas bonne chance, il est de l'autre côté de la porte. Pour l'instant je finis de ramasser ça, si ça te dérange pas. Forêt d'été, donc c'est le monde 1. On est à combien? 99%. Ouais, j'ai pas regardé les 99%, je suis d'accord, mais. Donc ouais, je pense que il y en a 6. 400. Donc là, on a fini un monde. Yeah!
Salut, petit. Je peux t'aider? Quoi? Encore toi? Ouais. Si tu veux tester ce cristal de puissance, pourquoi ne pas l'essayer sur moi? Je ne bougerai pas, promis. C'est une bonne idée. Dragon, tu as signé ton arrêt de mort! Ripto. Spiro, nous voulons t'aider à combattre Ripto. Elora utilise les orbes que tu as collectées pour stocker de l'énergie bonus. Chasseur te jettera les orbes améliorés au fur et à mesure qu'ils seront prêts. En ce moment même, le professeur expérimente de nouvelles formes d'énergie bonus. Tu auras bientôt des compétences que nul n'a jamais vues. Ok. Ah oui, il faut l'empêcher d'avoir des orbes, il faut prendre les orbes. Parce que s'il attrape les orbes, ça fait 3. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai vu. Okay. Là, on est à... Non. Quoi? 3 bleus à la place, 3 rouges, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on puisse le toucher. Non. Ah mince, il a les 3, il va falloir esquiver ses attaques. Olé, olé. Aïe, là-bas, j'en ai 2. Il en a déjà 2, il était rapide. Hop. Une arbre là. Là-bas, il y en a une autre. Ça va, il n'y en a qu'une. Encore un. Non, c'est pas pris, je crois. Encore une bonne fois. Je sais pas s'il se régénère avec les moutons comme l'ancien qu'on a fait. Ah, il a les 3. C'est quoi son attaque? Aïe aïe aïe. Non, 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 non. Ah, c'est moi qui l'a. Ça y est, bon. Pas fini. Ah d'accord. Il va avoir quoi comme pouvoir lui? Oui, oui, oui. Ça y en fait 2, comme moi. Une note là-bas. Je récupère 3. Ah, il en a 3 lui. Ça va être quoi son attaque? Aïe aïe aïe. D'accord. Boule de feu qui nous suit quoi. C'est bon. Moi, ah, c'est bon, je l'ai eu. Wow. Ah, c'est à côté. Les vertes, elles sont puissantes, les vertes. Alors. C'est tout? Encore... Non, encore une phase. D'accord.
Ah, on vole. Te cache pas, viens là que je te mette la misère. Encore une ou deux fois, puis t'es fini. Je sais pas s'il y aura une autre place derrière, mais bon. C'est bon, ce coup-là, il tombe dans la lave. Je ne pense pas qu'on pourra jamais assez te remercier, Spyro. Je suppose que tu dois partir maintenant. Oui, il le faut. Je vais leur manquer dans le monde des dragons et il me reste des vacances à prendre. J'en ai besoin plus que jamais. Avant que tu partes, je pense que Richard a envie de te donner quelque chose. Ah non, certainement pas. Chasseur? Spyro, Richard est vraiment désolé de t'avoir fait payer si cher pendant ton séjour à Avalar. Nous voulons que tu gardes les gemmes en récompense de ton aide. Waouh, merci. Sparks, tu peux les prendre? Laisse-moi juste taper les nouvelles coordonnées et voilà! Spyro, tu peux aller au rivage dragon! Hé, hey, vous devriez venir avec moi! Vous avez sûrement besoin de vacances! C'est malheureusement impossible, Spyro. Ripto est hors d'état, mais il a eu le temps de causer beaucoup de dégâts. On parle de semaines de nettoyage. Mais souviens-toi que tu peux toujours revenir à Avalar via les rivages dragon si t'en as envie. Bon, très bien. Viens, Sparks! On a des tas de jours de vacances en retard. Yeah. Voilà, donc c'est la fin du Spyro 2, vraiment. Bon, ben voilà, j'espère que vous avez aimé l'aventure. On va vérifier juste après si on est bien à 100%. Mais pour moi, on a tout fait à 100%. Donc, ça fait qu'il n'y avait que 3 mondes. Je pensais qu'il y en aurait eu plus. On va laisser un petit peu le générique défiler. Bon, après c'est pas... Hop. Ripto vaincu. Ah non, c'est pas tout à fait fini apparemment. On est où ici? Monde de la toundra hivernale, oui. Rivage dragon. Donc on est dans un nouveau rivage. On a les 10 000. 10 000 sur 10 000. 75. Total du jeu 100%. Donc oui. Mais bon. Bien joué, Spyro! Tu peux entrer dans le parc des rivages dragons! Mais c'est quoi? À propos, si tu as 10 jetons, tu peux visiter notre théâtre! Ok. 10 jetons. Bienvenue dans nos montagnes russes! Mais ici, au rivage, on ne se contente pas de foncer! Si tu fais sauter tous les ballons sur la voie, il y aura un jeton pour toi.
prêt à essayer? Fais attention à tous les autres. La piste est plutôt bondée aujourd'hui. Ah bah ça va être des petits jeux pour... Je pense qu'on va les faire pour le prochain épisode. Ah, il fallait pas les tuer. Ça doit faire mal. Tu veux tenter ta chance une nouvelle fois? Parce que comme il faut récupérer 10 jetons, on va dire non. Ce n'est pas pour tout le monde. Reviens quand... Et ça sera le petit bonus du dernier épisode où il faut faire 10 petits, récupérer 10 jetons pour aller voir le théâtre. Et comme ça, on pourra se laisser sur celui-là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les aventures, la fin des aventures. On fera le petit bonus la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Au revoir.